les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être une revue haul du site Sichic. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site. Dernièrement ils m'ont contacté, enfin il y a un petit moment qu'ils m'ont contacté, mais j'ai pas pu faire la vidéo avant, pour vous présenter des articles que j'ai choisis sur leur site. Donc je devais recevoir au départ 6 articles, mais quand j'ai reçu le colis il y en avait 5. Sur les 6 articles il y en a 2, un que je ne peux pas porter parce qu'il n'est pas à ma taille, et un qui n'est pas tout à fait mon style. Ensuite les autres j'aime beaucoup, donc je vais vous les montrer. Donc vous aurez mon avis sur l'article et la tenue sur l'autre côté. Je sais pas comment je vais mélanger, mais je vais me débrouiller. Donc je vais commencer par quoi? Le site Sichic, c'est un site qui est un peu dans le même esprit que Shinside, Forever 21, comme mon t-shirt. Ce sont des vêtements assez sympas, assez modernes, hein. Il y a de tous les prix. Donc je vous mettrai chaque article avec le prix, parce que là je ne m'en rappelle pas. Ensuite pour la livraison, on va s'arriver en 15 jours par la poste. Donc c'est parti de Chine à poste et ensuite ça arrive par la poste, c'est la poste qui prend le relais. Donc il a fallu signer par contre, sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Les vêtements, la qualité est correcte, j'ai pas trouvé de trucs. Par contre ça taille petit, moi je sais que j'ai pris M et certains O sont assez, sont vraiment près du corps. Mais sinon, ouais, ça taille petit, donc prévoir toujours une taille de plus, voire deux tailles de plus que votre taille habituelle. Et sinon, moi je trouve que c'est assez sympa, hein, niveau style, il y a pour tous les goûts, il y a... Voilà, vous pouvez vous habiller à petit prix, et c'est intéressant. Donc, les avis sont arrivés, ce que j'ai trouvé sympa, c'est ça. Chaque article a été enveloppé dans une petite pochette, comme ceci, avec un zip, voilà. Donc vous avez le nom du site ici. Donc je vous mettrai de toute façon le nom du site et tous les articles dans la barre d'infos. Commencer par donc le haut que je ne peux pas porter parce qu'il n'est pas à ma taille, c'est celui-ci. Donc c'est un petit top manche longue, voilà, hein. Petite blouse plutôt, avec le col comme ça, mais celui-là est trop petit, les manches sont trop courtes et il est trop court de taille, et c'était une taille M, donc voilà, je ne peux pas le porter. Donc il y avait des... parapluie dessus. J'ai reçu cette tunique robe avec des manches longues, un petit bouton ici et une autre goutte derrière, donc petite goutte derrière, et ensuite vous avez plusieurs superpositions de volant, mais elle par contre elle est assez large, peut-être la resserre avec une ceinture, mais sur moi j'aime pas le style, donc vous verrez comment je la porte sur le côté. Le premier haut que j'ai choisi c'est celui-ci, que j'ai trouvé assez original parce qu'il a plusieurs pareils. De devant c'est en forme de cœur, ensuite vous avez un autre dessous, vous avez la doublure en bleu marine, et derrière vous avez le tissu blanc, donc c'est plus long derrière qu'au devant, et après vous avez de nouveau le blanc ici. Donc là c'est pareil, c'est une taille M, lui me va bien, j'aime bien, il est assez court devant, mais je sais que cette année c'est un mode, donc il faut s'y faire, hein. Donc voilà, celui-là est assez sympa avec le short, avec une jean, vous verrez avec quoi je le porte. Et voilà, le petit haut cœur. Vert aqua, bleu marine et écru. Voilà. Donc lui, j'aime beaucoup. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, qui est assez flashy. Fuchsia, moi j'aime beaucoup le rose. Donc voilà. Donc celui-là, il était disponible en plusieurs couleurs. Je sais qu'il y avait vert et bleu. Moi, j'ai pris le rose. Donc il est avec, devant, vous avez comme un pli tout le long. Il est fendu sur les côtés. Et ensuite vous avez la petite goutte derrière avec la perle et les bas, les manches volantées. Elles volent. Voilà, donc celui-là est très sympa aussi comme haut, j'aime beaucoup le style, avec une jupe, avec un short, avec un pantalon. Moi j'ai un pantalon fleuri que j'avais acheté au solde l'été dernier, que j'ai jamais porté, et ça fait très beau ensemble. Donc vous verrez la tenue que j'ai fait. Et enfin le dernier, celui-là, un top noir avec de la dentelle. Intemporel, super féminin, voilà. Donc la dentelle tout le long dans le dos, et après ça part en t-shirt fluide basique noir. Donc lui par contre c'est vrai, c'est une taille M, et la dentelle ça tient vraiment bien au corps. C'est pas petit, je peux le porter, mais je trouve qu'une taille pour une taille M ça taille petit, voilà. Donc voilà les vêtements que j'ai reçus du site. Niveau qualité, moi je suis pas déçue, j'ai tout lavé, ça n'a pas bougé. Moi je lave tous mes vêtements fragiles à la main,
C'est pas plus compliqué que ça. Vous regardez les étiquettes, il y a beaucoup marqué main. Donc moi, ça je le lave à la main. Je le fais rincer et essorer à la machine à laver. Et après, directement repasser en fer doux et sur le cintre. Et voilà, vous voyez, c'est pas, ça n'a pas bougé, c'est pas du chiffon, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc le site, les avis sont corrects, ils sont très sympathiques. Il n'y a que la déception pour le haut qui est trop petit et la robe qui n'est pas tout à fait mon style, mais sinon dans l'ensemble, mes trois hauts, j'en suis ravie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le site. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais je vous envoie faire un tour dessus. Hein. Après, c'est à vous de vous faire à votre avis. Donc, c'était ma revue sur le site Stichic et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt. Bisous, ciao ciao.